Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler de confiance en soi. Alors le manque de confiance en soi, c'est un problème récurrent qui touche beaucoup de gens dans la société. Et par rapport à ça, je vais te donner plusieurs petites astuces qui permettent d'améliorer ta confiance en toi. Et parce que lorsqu'on a plus confiance en soi, on croit plus déjà en ses capacités, mais aussi paradoxalement, on fait plus de choses. Alors en premier lieu, on va commencer par la musculation. Alors, lorsque tu fais de la musculation, tu te construis un physique, donc qui demande quand même un certain temps. Et une fois que tu as atteint le niveau que tu désirais, comment dire, que tu désires plus exactement, l'image que va te renvoyer ton miroir va davantage te plaire. Et quand on se plaît plus, on s'apprécie plus et forcément, on a plus confiance en soi. Donc ça peut être, et c'est même un chemin à emprunter. La deuxième chose, c'est de prendre des initiatives. Alors, quand je dis prendre des initiatives, je vais te donner un exemple pour détailler mes propos. Par exemple, tu peux aller dans un magasin de vêtements, plus exactement, pardon, une boutique, mais tu n'achètes rien. Même si le vendeur te sollicite, tu viens en tant que touriste. Donc ça, c'est une initiative aussi. Autre chose, tu peux aller aussi dans un café et tu demandes un verre d'eau gratuit. Donc après, soit le barman te dira oui, c'est gratuit, ou te dira non, il faut payer. Après, tu fais ton choix. Mais ça, c'est aussi une initiative qui, répétée, petit à petit, va te donner confiance en toi et va t'inciter justement à recommencer. Alors, autre astuce également, c'est d'avoir un objectif. Parce qu'un objectif, c'est très important. C'est ce qui permet aussi de donner un but à ta vie. Parce que lorsque tu n'as pas d'objectif, tu fais rien de ta vie, tu prends pas de risques, tu n'as pas d'opportunités et finalement, tu gagnes rien. Donc, ça peut être, par exemple, pour te lancer dans un métier, ça peut être également lorsque tu es en reconversion, ça peut être également pour perdre du poids ou pour t'instruire, peu importe. Mais avoir un objectif, c'est toujours un plus et ça va t'aider aussi à gagner de la confiance en soi, étape par étape. Donc, ça, c'est aussi, pardon, un chemin emprunté. Et la troisième chose qui va t'aider beaucoup à construire de la confiance en soi, c'est de prendre des cours de théâtre. Alors ça, évidemment, c'est connu pour ça. Donc, dans les cours de théâtre, tu as deux façons de faire, c'est-à-dire soit tu fais de l'improvisation, ou alors soit tu récites du texte. Donc, l'improvisation, moi j'en ai déjà fait, donc c'est ce qui m'a le plus réussi. Après, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient. Donc, l'improvisation, c'est par exemple, le professeur met un objet, c'est à toi de construire une histoire. Alors, par rapport à ça, donc tu t'exposes parce que tu es dans un groupe, mais en plus de ça, lorsque les autres feront la même chose, le groupe va prendre la parole. Donc, au début, tu n'oseras pas prendre la parole parce que tu seras timide ou surtout tu n'auras pas confiance en toi, mais petit à petit, tu vas prendre de la confiance, tu vas te détendre, ça va aller dans un sens positif et tu n'hésiteras plus à prendre la parole une fois, deux fois et même davantage. Donc grâce à ça, tu vas aussi construire de la confiance en toi et ça va se faire graduellement comme les autres astuces dont je t'ai parlé. Donc tu vois, tout ça, c'est des petites techniques dont tu peux puiser dedans justement pour t'améliorer et justement gagner plus de confiance en toi, ce qui te permettra évidemment de faire plus de choses, de prendre peut-être plus de risques et surtout de te sentir mieux dans ta peau. Et ça, c'est un aspect quand même non négligeable. Maintenant, si je voulais faire un amalgame entre la musculation et la confiance en soi, je dirais c'est comme un biceps. Plus tu le travailles, plus il va grossir et croître, et moins tu le travailles, et puis il va régresser. Eh bien, la confiance en soi, c'est pareil. Il n'y a rien de fixe. Donc, tout ça, c'est entretenir en permanence. Voilà, j'espère que la vidéo t'a intéressé. Justement, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, moi, je te dis à la prochaine et prends soin de toi.